Hey, salut les crypto lovers, c'est Will Temer et bienvenue pour l'édition du 22/1 du petit journal du crypto version trading. Je me devais de faire un petit live encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin, comme tu le peux constater, continue de chuter. Nous avons perdu près de 400 milliards de dollars en une journée sur le market cap global. On passe de 1798 milliards de dollars à 1569 milliards de dollars, pardon, on a perdu plus de 200 milliards de dollars, excusez-moi, ça fait mal. On a un Bitcoin qui perd 10,53%, Ethereum 16%, on a le BNB qui perd 16%, Cardano qui perd 13%, le Solana qui prend une claque incommensurable avec un 27,45%, on a XRP qui perd 15,48%, le Polkadot qui perd 20,52%, enfin voilà. Je crois que j'ai pas besoin de t'expliquer qu'aujourd'hui, sur le market cap global, c'est la fête. Pourquoi ? Parce que c'est les soldes. Encore une fois, je vous ai dit, attendez le bon moment pour acheter. Et c'est quand ça chute qu'on achète, pas quand ça monte. On a un market cap global qui perd 12,63%. Il n'y a rien à dire. Ça fait mal au portefeuille de ceux qui n'étaient pas prêts perso. Ça fait un petit moment que j'ai vendu certaines crypto-monnaies et je me frotte les mains, j'attends avec mon bac de Tether, de USDT, pour racheter. Salut mon petit Guillaume, salut à tous les crypto-lovers qui sont présents sur la chaîne. On va regarder un petit peu qui est là. En tout cas, salut les gars, salut mon petit Mister Problem, yo bro. Donc voilà, n'hésitez pas à partager et à commenter en direct sur la chaîne Twitch. Ça fait plaisir de te voir. Merci à toi, Guillaume. Bah écoute, maintenant le soir, j'ai le temps de faire des petits lives sur Twitch que je vais poster sur, sur YouTube. Mais ce sera des analyses techniques, uniquement analyses techniques. Et tous les lundis, tu auras toujours droit à ton grand journal du crypto. Salut Mika LL. Et tu auras toujours droit à ton journal du crypto le lundi, émission de news sur YouTube. Donc voilà, c'est parti. On va quand même parler un petit peu de ce que tout le monde constate. Les cryptos chutent. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te dire salut Imura XP. Qui sont en train de se dire mais c'est la fin du bull run. Mais oui, mais ça fait longtemps que je vous l'annonce, hein, ça fait longtemps que je vous le dis. Salut Miss Game Alpha, ça fait longtemps que je vous en parle. Pour preuve, il suffit d'aller sur mon compte Twitter Will Temer. Si vous allez sur mon compte Twitter Will Temer, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Donc le compte Will Temer Twitter, c'est plus un compte où je fais du trading, où je vous fais des analyses techniques, où je poste un petit peu par rapport au trading. Ça fait un petit moment que je vous parle de ce qui se passe pour le moment sur le Bitcoin. Hein. Regardez, ici on est à 42 000. Si je reviens plus loin, Bitcoin, bam bam, 43 000. On redescend encore Cardano. Je sais pas si j'arriverai à revenir loin, mais hop. Cassure de la MA50, quid direction de la MA100. On était ici. Mois de janvier 17, j'ai fait des petites analyses techniques, donc voilà, si vous me connaissez pas, et salut, bonjour de Rochefort, salut bro, moi je suis de Liège, donc si vous connaissez pas Will Temer Trading, n'hésitez pas, là-dessus je poste mes petites analyses techniques, vous pouvez aussi retrouver Culture Crypto, là c'est plus les articles, et tout ce qui est relié à la chaîne Culture Crypto, donc voilà, allez c'est parti. On va un perso et un pour ta chaîne. Merci, bro. Alors, on va commencer par une petite analyse technique du Bitcoin. Gesund. Alors, hier, je vous ai expliqué qu'il y avait des fortes chances qu'on continue et qu'on vienne chercher tout simplement la moyenne mobile 200 périodes pour venir chercher ce beau support weekly, hein, et qui va correspondre à cette ligne orange que tu vois ici qui s'appelle la moyenne mobile. Salut, Popo. La moyenne mobile 100. Alors, moi perso, depuis qu'on a cassé ici la moyenne mobile 50, je le mets sur mes comptes Insta. Je le mets sur mes comptes Twitter. Il y a Instagram aussi que vous pouvez suivre. Eh bien, il n'y a pas photo. Depuis qu'on a cassé la moyenne mobile, j'attends ça avec impatience. J'attends qu'on vienne chercher la moyenne mobile 100. Conclusion. Hop.
On y est presque. On arrive bientôt à la moyenne mobile 100. Allez, encore quelques milliers de dollars et on vient chercher la moyenne mobile 100. Et ça fait vraiment plaisir. Il nous reste vraiment plus que 7% encore à tuer. Et là, on reviendrait dans une zone qui a été fortement travaillée au mois de janvier. Tu vois ici une première mèche, une deuxième mèche, une troisième mèche. Et alors, on reviendrait aussi. On reviendrait aussi. La moyenne mobile 100, ça serait dans ces alentours ici du rectangle que j'ai mis en support, justement, que je suis en train d'expliquer. Dans tout cet endroit, on est venu mécher. C'est entre les, oh, pour être précis, entre les 28 900 dollars et les 31 500 dollars. Je pense que la moyenne mobile 100 viendrait s'échouer avec le Bitcoin ici, dans la zone des 31 000, 32 000 dollars, tout simplement, sur du weekly, bien évidemment, hein, ce que je parle, tout ça sur du weekly. Je me demandais, est-ce qu'il y a un écosystème sur Ada pour la DeFi du même genre de PancakeSwap? Exactement, bro. Il suffit de le demander. Ça s'appelle Exchange. Ça s'appelle SunBaySwap. Hop là. Pour l'instant, c'est là, là, je suis sur le testnet, pardon. Par contre, si tu fais Exchange ici, parce que le testnet ne fonctionne plus. J'étais en train de faire, je fais deux choses en même temps. Hop, Sunday Swap. Voilà, tu viens sur Sunday Swap. Papapam. Tu vas dans Sunday Swap sur Twitter, ça s'appelle Sunday Swap Finance. Tu fais Enter Apps. Voilà. Ok, et tu connectes ton wallet. Tout simplement. Et voilà, tu es sur un échange décentralisé type PancakeSwap. Alors, moyenne ou pas moyenne, si les bourses continuent de chuter, ça tombera quand même, non? Oui, je pense que ça compte, ça tombera maintenant. Il était temps que les bourses chutent. Les bourses, ça fait 2 ans qu'elles montent de manière virtuelle. D'ailleurs, on peut aller regarder sur la bourse parce que je trade aussi à la bourse. Ah, je sais pas, on va regarder Amazon. Amazon est en train de se casser la gueule monstrueusement. En fait, les moyennes mobiles, en fait, il faut comprendre que ce sont des zones de support, tu vois. C'est des endroits où le cours rebondit. Mais quand ça casse, c'est aussi des endroits où le cours chute, tu vois. Et ça fait très longtemps qu'Amazon, sur du weekly, n'a pas cassé sa moyenne mobile de 100. Très, très longtemps. Très, 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 très longtemps. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est du lourd. Mais surtout, de toute façon, Amazon et la bourse traditionnelle, pendant le Covid, ont profité de l'impression des billets de la Fed qui ont racheté et racheté et racheté et racheté et racheté pour faire pumper et pour faire monter le Bitcoin. Alors, Alpha, ah ben, le monde est petit. Ah ben voilà, ben oui, ah, le monde est petit, Rochefort. Rochefort, pourtant c'est petit, hein. Ada m'a l'air très solide, très très bon ça, Ada. 30 000 dollars le bottom. Pff, écoute, on va regarder un petit peu, hein. On va analyser ça, hein, les gars. On va passer, hop, sur Bitcoin. Donc, on fait quand même une analyse technique Bitcoin aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai, pour moi, alors, un bottom, c'est compliqué. Si tu regardes mon graphe ici, tu remarques que j'ai mis une ligne. Cette ligne, c'est le précédent plus haut sur du weekly. Le précédent plus haut sur du weekly, il date du 18 décembre 2017. Moi, j'ai connu tout ça, ce pump. Et puis, j'ai connu tout ça, ce dump. Puis, ce petit pump, et puis, ce dump, et puis, ce grand pump qu'on a connu. Mais ceci, le pump qu'on a connu, comparé à ce qu'on a connu là, c'est rien du tout, hein. Parce que ce qu'on a connu ici, le Bitcoin, il nous a fait un petit 12 081%. Tu vois, ici. Par contre, là, ce que tu as connu, le Bitcoin, il t'a fait 3 000%, je crois, un truc du genre. 1 500%. Donc, le pump de 2017, et enfin, même avant 2017, hein, ça commence en 2015, il a duré 2 ans. Le cycle entier a duré 2 ans. Et moi, je suis rentré dans les crypto-monnaies en 2016. Le Bitcoin valait 400 dollars, quelque part ici. En avril-mars 2016, et je te promets que je me pensais le roi du monde, hein, quand ça a pumpé comme ça, parce que tous les altcoins ont pumpé sévère, et ben, comme un con, j'ai tout gardé, et quand ça a dumpé, ben, j'ai tout perdu, hein. Donc j'aurais pu être millionnaire, mais je ne le suis pas. J'ai perdu plus de 450 000 euros parce que j'ai pas vendu. Par contre, cette année, j'ai vendu, tu vois. Bon, j'ai peut-être pas fait autant, mais j'ai vendu, j'ai gardé un petit peu. J'ai une belle partie aussi que j'ai pas vendue, que j'odole. Pourquoi? Ce que je fais, moi, c'est j'achète.
Et les moyennes mobiles, en fait, quand tu es sur cette moyenne mobile-là, moi, j'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'on achète sur un support. On était sur le support d'un moyenne mobile 50. Donc, j'ai acheté. Et là, c'est en train de chuter. Tu me dis, bah, tu es en train de, j'en perds de l'argent. Ouais, mais c'est pas grave. Parce que quand on sera sur la moyenne mobile 100, je vais acheter encore. Parce que c'est un support. Et j'attends vraiment qu'on vienne ici sur la moyenne mobile 200. Parce que quand je regarde le dernier plus haut, il correspond pile poil avec une intersection avec la ligne rouge que tu vois ici. Et cette ligne rouge, c'est en weekly hein, que je parle. En weekly. Chaque barre vaut une semaine. C'est la moyenne mobile 200. Ça arrive pas souvent que le cours arrive sur la moyenne mobile 200 weekly. Ça arrivait en décembre 2018 où on a fait un bottom à 3 200 $. Ça arrivait au mois de mars 2020 où on a chuté jusque 3 900, mais qu'au final, la moyenne mobile 200 a tenu bon sur du weekly et on est parti en bull run. Donc, je pense que ce serait sain qu'on vienne consolider ce point ici, ce dernier plus haut weekly, là. Et en fait, si on vient rebondir ici, quelque part sur cette ligne jaune, on va consolider le dernier plus haut et on va repartir à la hausse en même temps qu'on reparte sur la moyenne mobile 200 weekly. Et ça, franchement, ça fait super, super, super plaisir si ça arrive, parce que c'est super important que ça doit arriver. Et ça, c'est ce que moi, je pense. Moi, ça fait depuis les 64 000, je pense, que je vous ai dit qu'on allait rentrer en bear market. La moyenne mobile 50 a joué son rôle. Elle a tenu bon là, elle est remontée. Mais on a fait un double top. On est venu chercher ici un double top. Tu vois bien, un premier top, un deuxième top. Et puis, ça s'est écroulé. Et là, on est en train de ramasser tous les traders à effet de levier qui sont en train de pleurer, de se dire « Bon, j'ai mis du x100 et je suis en train de tout perdre. » Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Mais moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est quand je vois le cours, je me dis « Ça, c'est rien encore. » Regarde, en deux semaines, ça peut être bien, bien pire. Hop, en deux semaines, tu peux perdre 49%. Ici, pour perdre 49%, ça nous a quand même pris un petit peu plus de temps, tu vois. 49%, ça nous a pris 9 semaines, tu vois, et on y est pile poil. Donc, on a fait cette chute-là qu'on a fait en 2 semaines, on vient de la faire en 9 semaines. La seule différence, c'est que cette fois-là, la moyenne mobile 50, elle a tenu bon. Et que là, maintenant, la moyenne mobile 50, elle n'a pas tenu bon. Donc, moi, je m'attends à ce qu'on vienne chercher la moyenne mobile 100, qui correspond en plus à une intersection avec cette zone de support qui se couvre 29 000 $, plus ou moins, encore une fois. Donc voilà, moi perso, bah écoute, à 28 000 $, j'achète un levier x100. Mais écoute, moi, à 30 000 $, je mets un levier x5 et je mets du cash, je t'avoue. Mais par contre, je vais acheter exactement la même chose en Bitcoin. Parce que quand on va toucher la moyenne mobile 100, ça risque de remonter. Et si ça remonte, j'aurais acheté à la 50, à la 100, je ferai du DCA. Et c'est ce qui est pour moi le plus important. Maintenant, comme nous dit Clado, il faut pas jouer avec les leviers. C'est super important. Tu vas vite perdre du pognon pour rien. Non, tu peux en gagner beaucoup très vite, mais tu vas vite perdre du pognon pour rien. Alors, Popo, je me demande pourquoi le Bitcoin et les autres cryptos solides ne jouent pas le rôle de réserve de valeur. Parce qu'en fait, tous les altcoins valent du Bitcoin à la base. Si tu veux, les altcoins ne valent pas du dollar. Les altcoins, ils valent du Bitcoin. Par exemple, ADA. ADA, eh bien, ADA BTC. C'est ADA BTC qui fait la pluie et le beau temps pour le ADA. C'est pas le ADA USD. Pourquoi? Parce qu'en fait, ADA BTC vaut 3013 Satoshi. 3013 Satoshi, ça vaut un certain montant de dollars. Et quand le Bitcoin chute, même si ADA vaut toujours 3013 BTC, quand le Bitcoin chute en dollars, eh bien, sa valeur, les 3013 diminuent en dollars. Et c'est pour ça que tu vois que le ADA USD chute quand le Bitcoin chute. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est la valeur en BTC. Donc le Bitcoin, en fait, c'est l'étalon des crypto-monnaies. Toute crypto vaut du Bitcoin avant toute chose. Elles valent du Bitcoin avant de valoir de l'USD, du dollar ou de l'euro. C'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qui est important. Donc, quand tu vois des crypto-monnaies qui en BTC gagnent, c'est super important. C'est beaucoup mieux qu'en USD, en fait. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, c'est dans le rouge, 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 sur le BTC. Pourquoi? Mais parce que les gens vendent leur altcoin contre du Bitcoin.
parce que le Bitcoin, là, il chute. Et c'est intéressant de vendre des altcoins, mais surtout, les altcoins, ils sont en train de chuter bien plus, bien plus, bien plus. Alors, acheter à toutes les chutes en DCA. Alors, acheter à toutes les chutes en DCA, dès que ça pue bien, c'est la meilleure technique quand tu fais bien du trading pour moi. Ouais, mais c'est pas du trading alors. C'est de l'investissement. Du trading, c'est acheter pour sortir, dégager un bénéfice. Le trading, c'est t'achètes à X et tu revends à X plus 1. Et tu gardes le plus 1 pour toi et tu réinvestis ton X. C'est ça le trading. Par contre, faire du DCA, c'est de l'investissement. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est le moment, comme à la guerre, là, on compte nos morts pour la crypto. Ouais, exactement, bro. Bonjour, tu penses qu'on peut retourner à 20K l'ancien ATH? Ben écoute, c'est pas compliqué, je l'ai montré juste avant. BTC. Voilà. Donc j'ai expliqué qu'en fait, pour moi, comme on a cassé la moyenne 50, si on casse la moyenne mobile 100, c'est comme ça que ça se passe. On regarde ici, on a cassé la 50, on est venu chercher la 100 et on a cassé, on est venu se poser sur la moyenne mobile 200, on est reparti. Eh bien là, on va faire exactement la même chose. On a cassé la moyenne mobile 50, on va casser la 100 et on va venir se poser sur la moyenne mobile 200 qui correspond pile poil à l'ancien ATH. J'espère que j'ai répondu à ta question. Flex 10. Alors, nous devons surveiller la danse du dollar. Non, ouais. Mais personnellement, je regarde jamais le Bitcoin. En fait, un altcoin, je ne le regarde jamais contre le dollar. Moi, un altcoin, je le trade contre du Bitcoin. Parce que ton altcoin qui perd ton dollar, on s'en fout. On s'en fout totalement. Ce qui est important, c'est de gagner du Bitcoin, bro. Il l'a dit avant, vers les 24K. Moyenne mobile. Alors, j'hésite à vendre, j'ai déjà perdu 50%. Alors, Flex, je vais donner mon conseil. Et Monsieur Problème, qui est mon modérateur depuis 2017, ma première chaîne que j'avais sur YouTube que j'ai perdue, où j'étais striké par YouTube, en est témoin. Moi, j'ai acheté énormément de Bitcoin à $400. J'ai acheté des Bitcoins, j'ai acheté des ADA, j'ai acheté plein de trucs. Quand j'ai fait le total sur mon application Bittrex, je serai plusieurs fois millionnaire. Et comme un con, à chaque fois que ça chutait, je vendais et je me disais, ouais, je vais attendre, je vais vendre et quand ça va chuter plus bas, je vais racheter, j'aurai plus de crypto. Et au final, je me suis fait défoncer et j'ai plus rien. Donc, j'ai pas peur de le dire. Où est le témoin, moi? J'étais millionnaire et j'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce qu'en fait, j'étais millionnaire pourquoi? J'étais pas millionnaire en 2017 ici. J'étais millionnaire là, à $64,000, si je n'avais pas joué au trader. Donc, pour moi, c'est important de faire du DCA et surtout de HODL. Dans des périodes comme celle-ci, il faut racheter. Je sais bien que c'est dur à comprendre, mais on achète bas pour revendre haut. Ça, c'est la première règle du parfait crypto lover, comme c'est marqué derrière. Un parfait crypto lover, il y a deux règles au parfait crypto lover. La première règle du parfait crypto lover, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est on n'investit pas d'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Donc moi, l'argent que j'ai mis là-dedans, moi j'ai commencé avec $400, je me suis retrouvé avec... Franchement, en 2017 là, c'était en centaines de milliers de dollars que j'avais. Tellement, l'euphorie de 2017 avec les ICO, vous vous rendez même pas compte, ça a explosé, c'était un truc de fou. T'investissais dans n'importe quoi, t'allais sur Bitfinex, tu faisais n'importe quel trade, t'étais gagnant. Et bien, j'ai investi $400 et j'ai toujours que mes premiers $400 que j'investis. Ce que j'ai fait par contre, c'est tous les mois, j'ai investi la même somme, 50€. Puis après, j'ai mis plus. Toutes les semaines, 50€. Et cet argent-là, je ne le touche pas. Que ça monte, que ça descende, je m'en fous. J'ai fait la même chose pour ma fille qui vient de naître, qui a 10 mois. Et je vois ça à 10 ans. Parce que dans 10 ans, le Bitcoin vaudra beaucoup plus. Salut mon petit Scalou, j'espère que tu vas bien. Et donc, pour moi, c'est super important. Vendre, faut pas paniquer. Mais ce qui est important, Flex, c'est t'achètes bas pour revendre haut. Là, c'est bas, bro. Et encore, hein, ça peut être encore plus bas. Mais là, déjà, tu as $34,000. Tu sais que si ça remonte, tu fais déjà 100%, 94%. Parce que tu sais que le Bitcoin, j'ai monté à 64 000. Donc, peu importe si ça continue de descendre, hein, mais tu sais déjà à ce moment-là, si tu achètes maintenant, que tu feras déjà un gain de 95%. Et si tu achètes sur la moyenne mobile 200, moi, c'est ce que je vais faire. Moi, la moyenne mobile 200, je vais la défoncer en achat. Ça, c'est sûr et certain. Et la 100 aussi, parce qu'on ne sait jamais que ça reparte à la hausse. Si tu achètes sur la moyenne mobile 200, tu fais déjà 254% dans le futur. C'est ça qui est important.
Donc, c'est super important de comprendre que panique sell. Si tu as besoin de l'argent et que tu es dans la dèche, vends, bro. Par contre, ça n'a pas besoin de l'argent. Qu'est-ce que tu en as à battre? Tu gardes tranquille chez toi. Tu gardes, tu continues ta petite vie. Moi, c'est ce que je fais. Je garde, j'accumule, je continue ma petite vie. Et quand ça va pump de chez pump et que le BTC sera à 100K, là, je me ferai, ah, 2017, j'ai foiré, mais 2023, je suis content. Ça y est, j'ai enfin ma liberté financière. Ou pas, encore une fois. Alors, hello, comment tu affiches tes moyennes mobiles sur le graphe? Alors, c'est pas compliqué. Tu vas dans indicateur, tu tapes Emma, moyenne mobile. Bon, maintenant, je ne peux plus parce que je ne peux pas en mettre plus. Du coup, il y a ça ici qui va apparaître. Et tu mets les moyennes mobiles que tu veux. Alors, personnellement, pour moi, les meilleures moyennes mobiles qu'il faut utiliser, c'est la moyenne mobile 50, 100, 200 points. Que ce soit en weekly, en daily, en H4, en H1, c'est elle qui te dit ce qui se passe. Parce qu'il faut comprendre que les croisements de moyennes mobiles et tout, c'est des informations qui t'expliquent comment trader. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Alors, Bittrex, la base. Non, peut-être, c'est avec ça que j'ai commencé. Mes premières cryptos, j'ai acheté sur Bittrex, le Wave, le Bitcoin, le Digibyte, le Mana. Je serais millionnaire en Mana, les gars. Quand Mana est sorti, j'en ai acheté une pelle, vous imaginez même pas. Alors, on était trop cons à l'époque, là, mais ouais, tu m'étonnes. On n'a pas de DCA, ouais, c'est clair. C'est clairement Mister Problème. Alors, Will sera millionnaire en 2030, t'inquiète. Oh, verra bien. Merci pour tes conseils, no panique. Voilà, no panique, t'as tout compris, bro. Alors, how much Bitcoin did you buy in this shit? Un half. Alors, les ICO, c'était la vie à l'époque, ouais. Alors, yes, it's gonna be even cheaper. Yes, I think it's gonna be even cheaper because for me, we must hit the moving average 200. For me, it's the base. For me, but it's only my opinion. Alors, il faut suivre ton plan de départ. Exactement, bro. Super conseil. Avec plaisir, mon petit flex. Alors, perso, j'ai acheté des NFT Spider-Man et Batman VV pour mes enfants. On verra bien à leurs 18 ans. Ouais, t'as bien fait. T'as bien fait, bro. Ça va super, mec. La bise de Finlande. Et toi, ça marche, le business, la famille. Ouais, tout va bien. La petite, elle va super bien. Au travail, j'ai perdu mon magasin de rêve et on m'a mis dans une poubelle. Mais bon, voilà, je vais le remonter. Parce que je suis bon directeur, donc à chaque fois, on met des gros défis. Je vais remettre ça au top. Alors, au moment de panique, certainement, tu feras n'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Il faut pas paniquer. Parce que c'est quand tu paniques que tu fais n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, Clando. Alors, moi, j'ai appris ça depuis. Je bosse dans la crypto. Je regarde plus les cours. Exactement. Ouais, parce qu'il faut savoir que Mister Problème, il travaille pour Phil Mining. Je sais pas si je pouvais le dire, bro. Mais bon, voilà, je le dis quand même. Alors, ton discours est différent des autres YouTubeurs. C'est appréciable. Ben, merci, G. Ben, écoute, ça fait depuis 2016 que je suis dedans. Moi, j'ai jamais vendu du rêve. J'ai la passion pour la blockchain, j'ai la passion pour la liberté, parce que pour moi, les crypto-monnaies, en fait, c'est un concept, c'est tout à fait autre chose que de se faire du pognon. J'ai découvert ça pour me faire du pognon en 2017, j'ai ramassé des claques, puis j'ai digué, j'ai compris à quoi servait la décentralisation, j'ai compris à quoi servait le Bitcoin, j'ai compris à quoi servait tout ça, et en fait, ça sert à nous affranchir des états qui nous aliène dans notre société pourrie de merde. Et puis, je suis un anarchiste fondamental. Pourtant, je suis juriste, hein, mais je suis un anarchiste parce que pour moi, l'anarchie, c'est la décentralisation. Donc voilà. Bien le bonsoir. Salut, Safréchelle. J'ai fait la main, mais je ne trouve pas du tout les mêmes moyennes mobiles. Ah, mais les moyennes mobiles, en fait, tu dois juste toi, tu vas dans, regarde, tu vois ici, dans le petit la configuration et dans longueur, donc paramètres, c'est toi qui la paramètre. Tu peux mettre 125 si tu veux, hop. Ça devient une moyenne mobile 125. Regarde, tu vas la bouger. Tu vois? Ici, moyenne mobile 125. Moving average, tu vas mettre MA. Et là, je remets 200, Hunter, et hop, tu la vois, elle bouge, alors c'est mort 200. Alors, je confirme, on n'a jamais vendu de rêve. Ben non, c'est clair. Jamais, jamais. Je suis la seule. Enfin, je pense que je suis un des rares qui ait jamais vendu de rêve. D'ailleurs, j'ai que 11 000 abonnés sur YouTube. C'est pas pour rien. Hein, je suis pas le mec qui va dire, ouais, avec ça, tu vas faire un fois 1000, bro. Regarde-moi ça. Tous ceux qui disaient fois 1000 il y a 3 mois avec Shiba Inu, ils sont la queue entre les jambes, en train de se dire, bon, ben merde, alors machin, elle est morte. Donc voilà. Hello, j'aimerais savoir ce que tu penses de la position de Tezos. Bah, écoute, on peut regarder. Quelle position? Position niveau trading ou position niveau écosystème? Parce que si c'est niveau trading, c'est pas compliqué. Tu regardes le Bitcoin, il dump, ça va pas aller plus loin. Hein. Tezos, il dump. Hein, XTZ, 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 voilà. Ben, XTZ, il a ramassé sévère aussi. C'est normal, il suit le Bitcoin. Par contre,
niveau technologie, pour moi, au top, surtout qu'ils sont associés avec Ubisoft, le blockchain et NFT in-game, ça va être du lourd d'ici 5 à 10 ans. Donc franchement, je pense que Tezos, c'est un truc qui vaut de l'or et qui ne vaut rien pour le moment. Et je pense sincèrement que pour moi, Tezos, c'est du lourd. Alors, coucou. Coucou, elle, on me dit dans l'oreille que c'est les soldes, bro. Non, peut-être que c'est les soldes et c'est même plus que les soldes. Mais bon, pour le moment, j'attends vraiment qu'on atteigne cette moyenne mobile. Et on va l'atteindre. J'espère qu'on va l'atteindre. Bitcoin, 34 607 $ et ça continue de chuter, bro. Je pense qu'on va venir chercher tranquillement les 32 000 $ et que là, Will Tamer, il va acheter tranquillou du BTC. Voilà, alors, un avis sur VeChain, j'y croyais et j'y crois moins. Bah, VeChain, je pense que c'est vraiment un bon projet. Je pense vraiment que le VeChain, c'est quelque chose de très intéressant, surtout qu'ils ont beaucoup de partenariats avec des sociétés de logistique, avec DHL, avec beaucoup, beaucoup de réels acteurs déjà incontournables du monde de la logistique et de la vérification. Donc VeChain, le truc, c'est que c'est quelque chose qui n'utilise pas beaucoup le marketing, qui utilise beaucoup plus sa technologie pour travailler avec des sociétés existantes. Donc il faut être patient avec VeChain. C'est sûr que VeChain ne va pas te faire une Solana, mais bon, je pense que le jour où il va péter sévère. Alors, autre question de Weeds. Penses-tu qu'il va remonter comme il a fait chaque fois ces projets que j'adore avec leurs différents projets et partenariats? Mais bien évidemment. Bien évidemment. Pour l'instant, le Bitcoin n'a pas chuté, bro. Pour l'instant, le Bitcoin, sans vouloir être pessimiste, trop optimiste, pardon, en mars 2020, nous étions à 3 939 $. Aujourd'hui, nous avons fait 775%. Moi, bon, il peut encore chuter, hein. Il n'y a pas de souci. Et je vais même te dire, si le Bitcoin il arrive encore à 100 $, je vends tout ce que j'ai, j'en achète un maximum. Voilà. Parce que pour moi, le Bitcoin ne va jamais chuter. Mais c'était peut-être par rapport au VeChain ce que tu me posais comme question. Je ne sais pas si c'est toi qui m'as posé. Ah, Tezos, pardon. Le Tezos, oui, il va encore chuter, bien évidemment. Si le Bitcoin chute, il risque encore de chuter, l'XTZ. Maintenant, on regarde un petit peu. Ça serait une belle opportunité, parce que regarde, son plus bas était à 0,35, et là, il a des, par rapport à son plus bas, il fait quand même 693 $, pourcent, en 155 semaines, donc en 3 ans. Il fait quand même 1x7 tranquillou en 3 ans. Donc voilà. Alors. Mais nous, pas encore montré son fondamental en tant que réserve de valeur, le marché boursier chute et notre Bitcoin chute aussi. Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est de l'incertitude. Ce qui se passe, c'est un petit peu comme ce qui s'est passé avec le Covid au mois de mars. Ce qui se passe quand même, les gars, faut quand même comprendre qu'il y a quand même la géopolitique aussi qui rentre en compte et c'est un peu tendu beaucoup du slip avec les États-Unis et l'Ukraine et surtout la Russie, la Chine aussi qui s'excite devant Taïwan, qui commence à construire des bases sur des îles qui sont au bord de Taïwan. Donc ça pue la guerre mondiale, sans vouloir être le mec qui dit oui, ça y est, c'est la guerre, c'est la fin du monde, non, rien à voir, mais. Une belle guerre froide qui s'annonce quand même, parce que les Russes, ils font quand même beaucoup d'exercices près de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est partie de l'Europe. Les États-Unis ont dit que si les Russes attaquaient, il y aurait des représailles, mais plus que représailles, donc ça va péter. On fait partie de l'OTAN, donc ça va partir en vrille. La Chine est quand même, alliée des Russes. Sans vouloir être méchant, ça pue un peu du cul. Hein. J'ai fait une petite fille, elle a 11 mois, tu vois, je suis pas très content. Donc la bourse chute parce qu'il y a une certaine incertitude. Il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est le moment de prendre du business, c'est le moment de prendre du cash parce qu'il y a des petites choses qui vont se passer, donc on va faire chuter la bourse et après on va investir dans les armes. Moi personnellement, si j'avais pas du pognon, c'est ce que je ferais. C'est chiant ce que je viens de raconter, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, mais c'est ce qui va se passer. Alors, Tezos, open blockchain, jamais de bug. Exactement, je te suis depuis 2017, tu fais toujours kiffer, tu pourrais nous faire un petit coin market cap et les belles claques. Alors pour la petite market review, qu'est-ce qu'on fait? On fait CoinMarketCap. Et sur CoinMarketCap, qu'est-ce que tu vois? MarketCap, 1 569 $, bro. Bitcoin perd 9,90%. On est sur Ethereum, deuxième, hyper, 15,37%. Ouh, ça fait mal. Le Tether en troisième position, ça fait un bail que je n'ai pas vu ça. Le Binance Coin, tu sais, le shitcoin de CZ, qui est en quatrième position, suivi du SD Con, bam, un autre stablecoin, paf, ça fait mal. Puis Cardano, la petite énorme de mon cœur qui perd juste
12,81%. Comparé à Solana, la blockchain centralisée, tout le monde le sait, mais personne ne le dit. 27,24% dans les dents. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard nous fait un 15,17%. On a Terra Luna qui nous emmène sur la Lune. Bah non, Terra Luna, il a atterri, mon gars. Pouh, il va me creuser. Moins 15,68%. Et puis le petit Polkadot de Magic Quar, 20,52% dans les dents. Ah, ça fait mal. Voilà, bro, j'espère que t'as bien aimé la petite market review à l'ancienne. Et content que tu me suis depuis 2017, ça fait plaisir d'avoir toujours un auditoire qui est toujours là. Alors, si vous mettez 4 EMA dans trading, vous aurez les moyennes mobiles 20, 50, 100 et 200 en utilisant un seul indicateur. Ouais, c'est juste. C'est vrai que j'avais zappé ça. Bro, là, franchement, je te remercie parce que j'aimerais bien remettre le... En fait, avant, je payais. En fait, si tu veux, c'est une vieille configuration. Attends. C'est une vieille configuration que j'ai là, tu vois, qui est enregistrée ici, si tu veux, tu vois. Et parce qu'avant, je payais. Et du coup, j'avais mon MACD en plus. Mais alors là, tu viens de me rappeler qu'il y a ça. Et ça, c'est vraiment la fête. Voilà. Donc, il y a les moyennes mobiles, et ça, ça me fait plaisir. Et du coup, je peux remettre simplement mon MACD. Bam, bam, bam. Oui, c'est beau, ça, je te remercie, bro. Mouah, la classe. Merci des gold number. Alors, Vett m'a mis dans la merde. Ah, ouais, malheureusement, il n'y a pas que lui qui va te mettre dans la merde. Alors, pour parler de projets en rapport avec des jeux vidéo, etc., il y a aussi Veracity. Ouais, Veracity, très, très bien. Moi, je suis sur Gala pour le moment. Lui, il me met dans la merde. Il a perdu hier 25%, aujourd'hui 25% de mes 2000$. Il me reste plus 400$. Ça fait mal. Alors, je trouve les soldes pas mal. Perso, ouais, pareil. Poutine, Biden, c'est chaud. Ouais, c'est ultra chaud. À mon avis, les mecs, ils vont tourner un porno, mais pas avec des queues, avec des missiles. Alors, la Russie, c'est 40% du gaz importé chez nous. Ouais, mais c'est pour ça. Malheureusement, notre électricité a fait x3 et le gaz x4. Quand je vois la facture que je paye, plus de 4000 balles par an pour mon électricité et mon gaz, ça me fait mal. Alors, salut amigo, que penses-tu de XVS? S'il te plaît, j'attends ton analyse. Merci. Alors, XVS... Est-ce que c'est le Verge? Je ne sais pas si c'est le Verge. XVS. Alors, je ne connais pas. Bah, il était bien parti. Ah, c'est sûr qu'il est en train de pumper ses verres. Je ne sais pas ce que c'est, je t'avoue, je ne vais pas te mentir. Maintenant, là, il vient déjà de niquer son dernier plus haut, qui était le premier plus haut. Donc, c'est mal parti. Hein. Donc, moi, perso, j'attendrai qu'il vienne chercher son dernier le plus bas. Parce que c'est un nouveau projet. Dis-moi un peu de quoi ça parle, mais il y a moyen de venir chercher les 2$. Voilà. Alors, 40% du gaz en Europe, ouais, donne-nous un petit altcoin encore planqué. Ah ah, un petit altcoin planqué. Allez. Je vais vous le dire. Je vais juste chercher parce que j'ai un portfolio qui est aussi grand que le bras. Mon petit altcoin planqué, je vais sur mon blockfolio. Voilà. Ceux qui aiment bien ADA. ADAX. Voilà. Malheureusement, ben, il a chuté ici dernièrement. Mais ADAX, c'est un échange centralisé pour Cardano. J'ai acheté 4000 ADAX. Je suis déjà en gain. Je le stack en plus ici. À 3,12% pendant 65 jours. Ça fait plaisir. En plus, sur ADAX, tu as aussi des launchpool comme sur Binance, mais pour Cardano, Launchpad, pardon. Donc ici, tu as le Flick 2, tu as le Smart Place Protocol. Malheureusement, avec le DOM qu'il y a pour le moment, ça ne cartonne pas. Par contre, tu as l'échange. Et alors, sur l'échange, on va aller sur le... Attends, on va aller sur... Le problème, c'est que je ne suis pas login parce que je fais ça avec mon MacBook, hein, vous voyez, normalement. Donc, pour pas que... Je traite toujours avec mon Mac. Voilà. Donc, tu as tout l'échange crypto-monnaie ici. Et toi, tu as déjà du Sunday Swap ici. Hop, tu peux le trader. Et le Sunday Swap, ben, c'est pas mal hein, pour une crypto qui vient de sortir. Ça serait bien qu'il s'affiche un petit peu le truc, le prix. Mais je crois qu'il faut être connecté, en fait, malheureusement. Mais le ADAX, bro. Le ADAX, c'est vraiment une crypto
peu de gens connaissent parce que c'est une crypto qui fait partie de l'écosystème Cardano, mais c'est un échange centralisé qui te permet d'acheter des cryptos de projets décentralisés et surtout, ils ont leur propre crypto-monnaie et j'en ai acheté plus de 4000 et j'ai déjà fait x2. Et franchement, je pense que c'est du jour la taxe parce que c'est sur Cardano. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est du lourd? Parce que c'est pas compliqué, ils sont 3 millièmes. Ça ne vaut que 28 millions en market cap. Le truc, il vaut 54 centimes. S'il vient chercher ne fût-ce que les 280 millions, ça fait 5 dollars. De 4 000, je passe à 40 000. Par contre, s'ils vont chercher les 2 milliards de dollars, je passe à 400 000, je fais un petit fois 100 tranquille, tu vois. Et franchement, ça, c'est du lourd. Donc, le ATAX, franchement, veille plus cire, comme on dit chez moi. Alors, merci, avec plaisir, Imura XP. Alors, salut, allô, Mr. Tamer. Hello, Eric Gauthier. J'adore, moi aussi, depuis 2017, c'était la folie, ta chaîne YouTube. Merci, bro. Mais je l'ai toujours, hein, ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Culture Crypto. Comme sur Twitch, je l'ai toujours, ma chaîne YouTube, les gars. Ma chaîne YouTube, j'en ai juste relancé une parce que j'ai perdu ma chaîne. Faut savoir, tous les anciens qui me suivaient en 2017, en fait, je me suis fait striker. Il y a l'armée d'un certain YouTuber qui s'est mis contre moi et qui, en live, m'a fait perdre ma chaîne. J'étais en direct avec Monsieur TK et j'ai perdu ma chaîne. Alors, avec aussi le rendez-vous organisé à Liège avec Monsieur TK. J'étais présent. Ah, t'étais présent au rendez-vous à Liège. Ah, ben, content de le savoir. Ben, écoute, Monsieur TK, voilà, lui, il a continué. Il a 50 000 abonnés. Moi, je me suis fait striker. Ben, j'ai recommencé. Je suis à 11 000 abonnés. Mais normalement, je serais à 100 000 abonnés si jamais j'étais jamais fait striker par YouTube, tu vois. Parce que franchement, c'était super cool. Alors, Big Bunny, on a du soir, alors. Ouais, c'est clair, Mr. Problem était présent. J'ai ajouté 150 unités de tes os sur mon wallet. Bien joué, bro. Allez, je vous donne quelque chose en jeu. Play to Earn Star Atlas. Ouais, Star Atlas, c'est pas mal. Ça, Willy Will, que penses-tu de Coty, de l'écosystème Cardano? Cardano Addict, Cardano Holder, Coty, du lourd. Et en plus, quand JED va sortir, donc JED, c'est le stablecoin algorithmique de Cardano, ça va être du lourd et c'est Coty qui le présente. Alors, bonne soirée à tous. Je dois bouger. Bon samedi à tous. Merci, mon petit Guillaume. Alors, on se rappelle de cette belle page noire qu'on a eue en live. Et ouais, franchement, ça a été dur. Donc, pendant un an, j'ai arrêté ma chaîne et j'ai tout perdu parce que maintenant, je pourrais vivre de ma chaîne. Monsieur TK, il a arrêté, il vit de sa chaîne. J'aurais pu vivre de ma chaîne. Et j'en ai fait des vidéos. Et je vous assure, j'en ai vu des vidéos. Alors, c'est qui t'a dégagé? Bah, je peux pas dire. Mais il y a certains de mon Discord qui m'ont dit que c'était un certain Néo qui, avec son... avec sa chaîne, avec son armée, qui est venu me dégager. Je ne dirais pas exactement le nom. Alors, je viens de m'abonner YouTube. Je verrai tes vidéos. J'aime beaucoup ton approche. Merci à toi, Beau. Merci et bienvenue sur la chaîne YouTube. Bonne soirée à vous aussi. Alors, tu as entendu parler du projet Zenik? Non, Popo, je ne connais pas. On va regarder ensemble. Hein. On va regarder ensemble ce petit projet Zenik. Alors, Zenik. Ouais. C'est vraiment mon film préféré. Le truc, c'est que en fait, le mec, j'ai montré qu'en fait, il copiait un youtubeur anglophone. L'anglophone sortait sa vidéo et après tu l'avais en français la même copiée, quoi. Et le mec, il a je ne sais pas combien d'abonnés maintenant, cet enfoiré. Ça me dégoûte quand je vois ça, tu vois. Enfin bref, c'est la vie. Donc Zenik. Ah, écoute, connais pas. Ah ben Mr. Problem connaît. Bon les gars, n'oubliez pas, je vous dis Mr. Problem, il travaille quand même pour Feed Mining, donc il connaît mieux que moi. Hein. Zenik. J'avoue, je connais absolument pas Zenik. Voilà, je vais arrêter parce qu'après, on peut peut-être me refaire striker une deuxième fois, machin. Est-ce que, en fait, mon swap est passé? Parce que j'avais des ordres. Non, mes ordres ne sont toujours pas. Price outside range. Ah, j'ai su déposer quand même des LP tokens. Hop. Cool. Un community. Ah, cool. Alors, en swap, par contre, j'ai pas récupéré mes Cardano, j'ai toujours les huskies, j'ai toujours les mines, mais j'ai toujours mes ordres qui sont mis pour des Sunday. Current price outside range, cancel order. Et j'aimerais bien récupérer quand même mes Sunday swaps pour pouvoir les stacker tout simplement. Mais ça a pris une de ces
plomb, pour stacker, pour faire du LP. Je ne sais pas, je ne sais pas, Vato, je ne sais pas. Peut-être. What will we need? Guns, lot of guns. Donc voilà. Alors, on va repasser sur le Bitcoin quand même, les gars, parce qu'à mon avis, ça va continuer de dump. Voilà, est-ce qu'on a passé les 35? Oui, nous sommes à 34 439 $. Ladies and gentlemen, nous nous dirigeons petit à petit vers la moyenne mobile 100, et ça, c'est beau, oui, c'est beau. En plus, regarde ici, t'as eu un croisement sur le MACD. Alors, le MACD, il faut comprendre que c'est super important comme... comme indicateur. Si tu sais pas comment utiliser le MACD, c'est pas grave. Tu vas sur ma chaîne, tu viens dans vidéo, non, dans playlist. Je crois que la playlist, je l'ai enlevée. Voilà. La playlist, ça s'appelle Nakamoto Plaza. Hop, tu viens sur Nakamoto Plaza. Dans cette vidéo, nous avons... Et alors, dans Nakamoto Plaza, ici, tu as comment trader en bourse avec l'indicateur RSI et tu as comment trader en bourse avec l'indicateur MACD. Et cet MACD, je te l'explique en long et en large. Tout dit. J'étais mince à ce moment-là. Comment ça fonctionne? D'où est-ce que ça vient et comment l'utiliser? Et ça, ça se trouve sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien dans la description. Enfin, dans les commentaires. Voilà, les amis. Et vous voyez, cette vidéo, elle date de perpète, quoi. Hein, donc, ouais, j'ai perdu ma chaîne. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, le Bitcoin continue de chuter, je pense que ça va durer, et j'espère que ça va durer, parce que ça fait deux belles chutes sur la journée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est juste exceptionnel. Ce qu'on est en train de vivre, ça fait super du bien. Surtout que, personnellement, j'attendais vraiment qu'on chute en weekly, pour pouvoir racheter. Et mes premières targets, c'est là, et ma deuxième target, c'est là. Tout simplement. Par contre, je vais juste faire un truc, c'est que je vais changer les couleurs, parce que moi, j'aime bien que ma Emma, c'est ça, puis elle, c'est ça, puis elle, c'est ça, en jaune, et puis elle, c'est comme ça. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Hop, on met ça comme ça. Et merci encore, bro, hein, m'avoir montré le fort MA. J'avais complètement zappé. Du coup, je peux remettre mon MACD et ça, c'est la classe. Je vais même pouvoir remettre un autre indicateur que moi, j'utilise énormément. C'est le zigzag. Voilà, le zigzag. Ah, non, je peux pas le mettre, malheureusement. Pas grave. Tout que voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de savoir un petit peu plus sur les crypto-monnaies? Est-ce que vous avez envie que je vous fasse une petite analyse technique? Mais ça ne vaut pas vraiment la peine avec tout qui chute comme ça. Mais bon, voilà, sur le Bitcoin, c'est pas compliqué. En plus, regarde le volume, hein, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. Quand tu vois le volume ici, comparé à ce volume-là lors de la chute, les gars, c'est pas fini. Hein. Là, on est en train de liquider des gens. Et à un moment, on va venir chercher ici la moyenne mobile 100, je vais racheter du Bitcoin, ça va remonter 2 secondes, puis ça va redescendre, on va venir chercher la 200, et badaboum, c'est tout de moon. Parce que regarde, la moyenne mobile 200 sur du weekly, on est venu la toucher juste une fois, deux fois. Et tout ça depuis 2018. C'est pas le genre de truc qui arrive tous les jours, c'est pas anodin ce qui se passe. Hein. Super important les bros. Hein. Alors, question de Art. Artisan nomade, salut à toi, bro. Alors, est-il intéressant de racheter du Engine et du Decentraland? Tu m'étonnes. Pour moi, Decentraland, c'est du futur plus du double futur. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Donc, tu viens dans Culture Crypto et tu mets LBRY. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, Library, pardon. LBRY, Library. Voilà. Sur Library, annulé. Je l'ai pas installé sur ouais voilà Library et là on va chercher Culture Crypto. Voilà, là tu tombes sur ma première chaîne, d'accord, ma toute première chaîne, elle est là parce que je l'avais sauvée sur quelque chose qu'on appelle Library qui est complètement décentralisé. Donc ça c'est mon nouveau contenu. Ah oui, non, ça c'est mon nouveau contenu, ça. Donc, désolé, je reviens un peu en arrière. Donc, je pense que c'est celle-ci.
Voilà. Donc ça, c'est ma toute première chaîne où tu peux voir ma femme, où tu peux voir mes Star Problems, mes anciennes vignettes toutes kitsch. Je vais vous le mettre aussi dans le chat. Si ça vous intéresse de voir ma première vidéo. Vous voyez, c'est 2018, puis on descend, voilà. Alors, pour répondre à ta question par rapport au Decentraland. Decentraland. Donc, Mana, le token Decentraland, j'en ai parlé il y a 4 ans. Et je disais, Decentraland, c'est du double futur. C'est de la VR plus de la crypto-monnaie. Du futur plus du futur, ça fait du double futur. Et avec le metaverse qui arrive, ça ne peut être que du lourd. Donc, bien évidemment que c'est méchant Decentraland. Vous voulez que je vous passe une ancienne vidéo, les gars? Vous allez halluciner. Hein. En plus, là, vous voyez chez moi. Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer pour le petit journal du crypto. Alors, avant toute chose, aujourd'hui, j'aimerais... Alors, pour ce petit journal, on va parler de quoi? On va parler de la chose inévitable. Malheureusement, j'en ai parlé hier, mais alors, tout le monde en parle. Les actions qui sont faites pendant la pute, c'est le... Les gens, 153%. Bitcoin, 16 000 $. Decentraland 0,05. Ok, Decentraland il y a 4 ans 0,05, bro. Hop, Mana aujourd'hui. Je ne l'ai pas dans mes trucs, c'est bizarre. Et ça vaut 1,91. Donc ça va. Hein. T'imagines 0,05, 1,91 et c'est monté jusque 5 $, ça fait x100. Voilà, pour moi c'est du lourd. Ah, on a pris juste de l'âge, ouais c'est clair. Ouais, ma tronche n'a pas trop changé. Ce qu'il y a, c'est que j'ai pris quand même 10 kilos dans la gueule depuis que je suis papa en 11 mois. Donc voilà. Le fear, je connais pas, bro. Le fear, je connais pas. On a pris juste de la joie, c'est clair. Du lourd, merci, mec. Avec plaisir, bro. Excuse-moi, madame Irma, comment vois-tu l'avenir du KuCoin comme exchange et token? Très, très bon. Très, très bon pour moi. C'est vraiment quelque chose de très intéressant, le KuCoin token. Encore une fois, pareil, le KuCoin token, il valait que dalle. T'as fait je ne sais plus combien en très peu de temps, enfin, en quelques années. Faut voir les cryptos en années, les gars. Moi, je suis là depuis 2016, je sais que en fait, les crypto-monnaies, enfin, je me souviens, on n'était même pas à 100 milliards de dollars, on était à 80 milliards de dollars de market cap, et on a passé presque les 3000 milliards de dollars, on arrive à 2900 milliards de dollars, donc c'est un truc de dingue. C'est quoi l'avenir du Bitcoin? Quelle utilité? Qui s'en servirait? Alors, l'avenir du Bitcoin, pour moi, c'est l'or numérique, tout simplement. L'avenir du Bitcoin, c'est montrer le chemin vers la décentralisation. L'avenir du Bitcoin est plus une philosophie qu'un moyen d'échanger réellement de la valeur. Par contre, l'avenir du Bitcoin, c'est récupérer ton pouvoir. Pour le moment, les banques ont ton argent, possèdent ton argent. Toi, tu as un droit de créance sur les banques. La banque, elle ferme, tu l'as dans ton cul. Moi, j'ai mon Bitcoin et mon Bitcoin, je le possède. Qui chute ou qui descende, je le possède. Et je pourrai toujours te l'échanger contre ce que je veux. Voilà. À quoi va servir le Bitcoin? Et surtout, avec l'avènement du Lightning Network et des micropaiements BTC, je pense que peut y avoir quand même un avenir sur le Bitcoin. Encore une fois, je peux me tromper, bien évidemment, mon petit G91-310. Alors, peux-tu prier avec moi pour que KRL soit listé sur Binance? Le Krill? Je peux prier avec toi, bro. Mais j'espère que tu m'enverras une petite partie de ce que tu as gagné. Hein, si ça arrive. Je déconne. La bonne époque, ouais. Du lourd, merci mec. Hello, well, pourrais-tu nous analyser le X? Le problème des analyses techniques, bro, aujourd'hui, ça vaut pas trop la peine. Hein. Tu vois, parce qu'il y a tout qui chute. Maintenant, voilà, ben, sur le X, t'arrives sur la moyenne mobile 100. Que dire de plus? Espérons que ça rebondisse et que ça reparte à la hausse. Voilà. T'as eu quand même ce qui était pas mal sur le X, ce qui était pas mal, c'est que t'avais une divergence sur les histoires du MACD
Ça aurait pu être bien, mais là, malheureusement, le Bitcoin chute, donc il décide ce qui va se passer. Donc, attends de voir un peu si on casse la moyenne mobile 100, parce que si on casse la moyenne mobile 100, on peut venir chercher ici les 0,12. Et si on casse les 0,12, le prochain, c'est 0,07. Alors, ça va la tronche? Ouais, non. Alors, je suis pas mal dans le FIR, c'est du métaverse. Tu peux regarder la chart, s'il te plaît. Ouais, je veux bien, si tu veux, bro. Mais je t'avoue que je connais pas et qu'au final, de toute façon, comme je viens de le dire, pour l'instant, c'est le Bitcoin. J'espère que t'as pas acheté là. Enfin, que t'as acheté là. Si t'as pas acheté là, il y a des risques que ça chute. Parce que si on vient de casser le dernier plus bas. Le dernier plus bas, il se trouvait ici. Si on clôture en dessous des 0,70, bah, tu peux attendre les 0,28. Alors, on a pris. Ouais, alors, juste dans l'idée du partage, j'ai fait connaissance d'un projet NFT qui se base sur une simulation d'une colonisation martienne. C'est Colonize Mars. C'est créé par un ingénieur de chez Apple. J'ai eu la chance de rentrer dedans après un ROI. Je fais environ 8$ par jour au cours actuel depuis. Ouais, génial. Ouais, bravo Big Bunny. Ah, génial, quoi. C'est peut-être le coup de regarder le projet. Ouais, je vais checker. Hein, 8$ par jour. Waouh. Comment t'appelles ça? Colonize Mars. Le problème, c'est que je ne l'ai pas. C'est ça. C'était quelle année, cette vidéo? Laquelle, bro? Celle-là, c'était en 2000... 2000, le 8 décembre 2017. C'est sur ma première chaîne YouTube que je copiais sur à l'époque ça s'appelait pas Odyssée, c'était Library. Je suis papa depuis 3 mois. Félicitations, bro. Alors, le X, ça fait plus 1 million de % en 2 ans. Ah ouais, quand même. 1 million de % un truc de dingue, quoi. Je dois vous laisser pour ce soir. Gros bisous. Salut, ma poule. Alors, sur Twitter, Colonize Mars. C'est dans l'écosystème de la blockchain Wax. Ok. Ben, je regarderai, bro. Ben, c'est bien ça. Je vais me renseigner, bro. Je vais me renseigner. Mais 8$ par jour, c'est plutôt sympa, quand même, hein. En plus, si c'est un jeu genre Command & Conquer, c'est le genre de jeu que je vais kiffer. Je ne sais pas si c'est un jeu de ce genre-là, mais ça a l'air vraiment sympa. Donc, en 5 ans, x 100. Voilà. T'as tout compris. En 5 ans, x 100. Tu mets 1000 balles, t'as 100 000. Je pense qu'il n'y a pas à aller plus loin. Comme ça, t'as compris, mon petit artisan nomade. En fait, il ne faut pas voir ça à 1 an. Tous ceux qui te font « To the moon !» Ta gueule. T'as juste à lui dire « Juste ta gueule. » Tu veux bien essayer. Enfermant ta gueule, essaye un peu pour voir comment j'ai trop envie de tous leur dire. Moi, je suis là depuis 2017 et je suis nulle part. Et des fois, j'en vois et ils font des to the moon. Ouais, cette crypto va faire x1000, tu vas voir. Wesh, cousin. Et ces mecs, ils vont chercher 50 000 abonnés. Et ça me rend malade, quoi. Mais bon, faut dire que j'ai perdu ma première chaîne. Si je l'avais pas perdue, ben forcément, je serais bien, bien, bien plus haut, tu vois. Parce qu'à l'époque, il y avait Asher, moi, CryptoVia, Monsieur TK qui venait de commencer et que j'ai présenté sur ma chaîne. Vous voulez voir Monsieur TK, sa première interview? Elle est où, sa première interview à Monsieur TK? Là, ici. Voilà. Hop, Monsieur TK. Hop, dans mon grand journal avec ma femme. Ma femme participait aussi avant. Avec D-Batch, hein, le grand journal des cryptos. C'était génial. Elle était vraiment chouette, cette chaîne. J'avais vraiment une super communauté. C'était vraiment super sympa, quoi. Ah, mes petits crypto vlogs et tout. Ouais, non, c'était vraiment génial. Vraiment super sympa. J'ai tradé du Bitcoin. J'ai même fait des tutos pour comment trader. J'ai présenté plein de projets. Donc voilà, c'était vraiment cool. Alors, Bic, tu conseilles quel investissement pour bien commencer dans le jeu? J'ai quelques wacks à perdre. Alors, pourquoi pas? Échanger, les gars, ça sert à ça, une chaîne, ça sert à échanger. C'était le beau temps. Monsieur TK. Il avait à peine 300 abonnés que je l'ai pris sur ma chaîne. J'en avais 10 fois plus. Et on n'est pas conseiller financier, c'est clair. Mais tracasse, Monsieur TK, Mister Problème. Laisse-le faire. Au final, c'est quoi? Les gens, ils sont assez grands.
Ah, tu vois, j'ai le Decentraland, j'ai présenté le Storj, le Tron. Pff, je m'en suis fait un de ces pognon avec ces cryptos-là. En fait, à chaque fois que je présentais une crypto, c'est que j'avais investi dedans. Le TNXP, là, par contre, j'ai ramassé vraiment sévère. IOTA, top. Alico Inda H, mon Dieu, comme je me suis fait dégommer là-dessus. J'ai perdu 4 Ethereum, quoi. 4 Ethereum, mais ça valait que dalle à l'époque. Ouais, maintenant, Gnos, c'est parce qu'en fait, avant, je disais toujours qu'on n'était pas conseiller financier. Et généralement, on donne jamais de trucs, mais bon, voilà, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Je pense qu'un budget, il n'y a pas de souci, ça peut être sympa. Mon petit Mister Problème Tracasse. Alors, bonjour, Will et la commu, ça crache encore, tenez bon. Ouais, et c'est pas fini, bro. Direction la moyenne mobile de 100. En tout cas, la 100, c'est sûr. Enfin, j'espère. Et peut-être direction la moyenne mobile de 100, voire le dernier plus haut à 19660. Souvenir, le Substratum. Ouais, Substratum. Hein, t'imagines. Quelle grosse encul aussi, cette crypto, le Substratum. Hein. Ah, c'était vraiment de la grosse dope, quoi. Ah, le sub, il était où? Je l'ai fait, le Substratum, tu dis? Il est où, lui? Il me semble, ouais, que je l'avais fait, le Substratum. Ah ouais, ici, là. Non, ça, c'était Steemit. Le Verge aussi, punaise, le Verge, qui est grosse dope. Qui est une grosse dope, ce truc? Je te jure, quoi. Par contre, le Basic Attention Token, là-dedans, j'avais été bon. Arc, malheureusement, assez ramassé. N'a pas fait, ne fait pas grand-chose. Le Pearl, c'était vraiment de la grosse dope aussi. Mais ouais, le Substratum, ça aussi, le Digibyte, le VeChain, tu vois, j'en ai parlé, bro, le 26/2/2018, l'Electroneum, qui est grosse dope, ce truc aussi, Monsieur TK, le Burstcoin aussi, il y en a eu des dopes, il y en a eu des dopes. Partons, je vous ai expliqué comment créer sa propre crypto en 3 clics et j'ai créé mon Culture CryptoCoin, enfin le token de crypto souvenir avec Electroneum et ma commu à 15 000K que j'ai perdu à cause du bon Facebook, ouais, c'est clair. Je demande à Big Bunny car je le connais. Oh, de toute façon, bro, il n'y a pas de souci, hein, ne te tracasse pas, t'as bien raison de demander. Ah ouais, quoi, le Ontologie, le Bytom. Ouais, non, le Cortex aussi. Pff, c'est vraiment le Nanex, ça c'était pas mal. C'est vraiment l'année où c'était toutes des ICO, beaucoup de merde, quoi. Beaucoup de merde. J'ai même fait des cours sur les Elliott Wave. Ma femme qui faisait la méthode des cryptos. C'était vraiment, ouais, c'était une bonne époque, quoi. J'arrive pas à récupérer ça, quoi. J'ai perdu vraiment... j'ai perdu quelque chose, quoi, quand j'ai perdu ma première chaîne, les gars. Vraiment, j'ai perdu quelque chose avec ma femme. Ah, c'était super cool, ça. C'est vraiment des bons moments, quoi. Avec ma petite Eda. Voilà. Hop. Ouais. Isaacus. Pour macOS. Le type, il a tellement vu que macOS. C'est donc juste. macOS, c'est une interface graphique. Ouais, c'était vraiment la bonne époque, quoi. La super bonne époque. Et j'ai perdu ça à cause d'un connard qui m'a fait striker ma chaîne. Ontologie, il pump, sérieux? Ouais, l'ontologie, il a fait que perdre. Ah, le ONG. Le ONG. Oh putain, ouais. Ah, si c'est les gaz de la blockchain ontologie, ben ouais, tu m'étonnes. Ouais, Mathieu, j'ai regardé. Ouais, tu m'étonnes, qui pump, c'est normal, les gens, ils veulent vendre. Il faut passer sur la blockchain. Donc, plus de transactions tu fais, plus il faut que ça coûte du pognon. C'est un truc de dingue, quoi. Donc, voilà. Voilà, si vous avez d'autres questions, les gars, n'hésitez pas. Et je suis vraiment content sur Sunday Swap, j'ai quand même réussi à faire du farming, donc je, c'est pas mal, hein, voilà, c'est pas énorme hein, ce que j'ai, mais c'est cool, je sais pas ce que je vais gagner, je sais pas où on voit le gain,
J'avoue, je m'apprends pas les gains. Mais c'est cool ça. Alors, en swap, en order, j'ai quand même. J'ai quand même 1500 ADA que j'essaye de vendre pour avoir du Sunday. Donc, ça me ferait quand même plus de 3000 Sundays, j'aimerais bien, parce que voilà, il serait temps, quoi, hein? Sans vouloir être méchant, j'attends ça avec impatience depuis très longtemps, Sunday Swap. Voilà, alors, pense à un raid d'une chaîne à la fin du live. Ouais, merci à toi, je dois partir, bonne soirée, les Crypto Lovers. Merci Artisan Nomade, et je vous donne rendez-vous ben, demain sur Twitch, bien évidemment, et la rediffusion, ça se passe sur YouTube, ça fait 1 heure que je fais un petit live, je vais vous laisser. Comment est-ce que je fais pour raid, bro? Parce que moi, je sais pas comment il faut faire pour raid. C'est ça le truc, en fait. Je sais pas du tout comment raid, en fait. Donc, c'est bien de penser à raid, mais je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Donc, comme j'ai toujours dit, n'oublie pas, cher crypto lover, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, my bro.